Ndatayalambotch fut la dernière grande reine du royaume du Wallo entre 1846 et 1855. Le Wallo, un royaume dans la vallée du fleuve Sénégal, au nord du pays. Mais il est surtout la première à résister à la conquête coloniale française dirigée par le général Federbe à la moitié du 19e siècle. La Lingère Ndatayalambotch détenait la réalité du pouvoir exécutif du royaume cohabitant avec le Brak, Logar Mambo Malik Aissa Darumbotch, qui n'était qu'un roi honorifique son pouvoir réel. Ndate était un chef d'État, une résistante, une mère, une éducatrice. Un chef d'État digne de ce nom et qui n'avait d'autre choix que de mener à bien cette mission. Avec Ndate, on assiste à l'accomplissement du processus du contrôle du pouvoir initié par les Lingers dès le XVIIe siècle. Ainsi, en 1819, dans les accords signés entre le Wallo et les Français, il ne figurait que des hommes. À partir de 1846, tous les actes officiels portaient le nom de Ndateyal. Elle finit ainsi par reléguer le Brak et les autres dignitaires au second plan. Une résistante, son règne a été marqué par une défiance permanente, contre laquelle elle a livré une bataille acharnée. Dès 1847, elle s'opposa au libre passage des Sarajolais, qui ravitaillent l'île de Saint-Louis, et mena d'autres combats simultanés, faisant d'elle une héroïne. Elle combattut l'oppression coloniale où s'érige et s'érige encore, contre la domination masculine. Elle porta haut le combat contre les mutilations génitales, les stéréotypes de genre. Ndateyalla, l'incarnation du courage, de la persévérance. Puisse la génération s'inspirer de son parcours impressionnant.